Edouard Herriot a dit qu'il tient pep, c'est tout ça qui a prêté l'elfin blier toute bagaille. Dans souci pour permettre de rester connecté à Kiltio, tout haïtien connecté, TAC 509, a présenté chaque dimanche à partir de 7h à magazine Chaka Kiltirel. Ken Levilsen, Mario Pandache et invité yo pral brasser ensemble pour une même canistère, parole qui gen pour ak danse, théâtre, musique, cinéma, littératie, peinture et latrier. Yo mélange information, éducation et distraction chaque dimanche soir à partir de 7h sous plateforme Paola TAC 509. Chaka Kiltirel pour ne pas jamais oublier. Samba liberté nous. On fois encore vin battre rassemblement. Vin réaccorder que nous pour mélodie ça pique pi tout vent. Bonsoir tout le monde, qui j'en ouille. Bienvenue dans 5e parète Chaka Kiltirel. C'est un 5e numéro qui pourra tourner autour du cinéma, particulièrement autour du cinéma haïtien. Parce que j'en ai déjà annoncé, d'entrée de jeu, Chaka Kiltirel, c'est pour un espace côté n'a fait promotion pour la culture haïtienne dans toute sa diversité. Et nous croyons que dans l'édition qui s'est passée, côté nous témoignons musique, en pile fois nous garder différentes tendances, différents rythmes souvelés qui gagnent dans la musique là. Nous faisons un petit de bouche sur rap avec Wok Femme Lamia dans la première édition. Nous faisons focus sur Baïkad Kou, sous la moto générale dans la deuxième édition. Dans la troisième édition, nous faisons un petit bat de bouche sur Compas avec Johnny Selikou qui était invité nous. Dans la quatrième édition, nous avons encore une fois parlé musique, parlé rap avec le projet I Am Music, I Am Rap. Nous avons parlé littérature tout avec Vianney Ménard comme invité autour de livre Fais-moi jouir. Et aujourd'hui, nous décidons de parler de cinéma dans Chaka Kiltirel. Et pas quoi nous avons un plus bon invité avec nous pour nous parler de cinéma dans l'édition ça que un monde que le public haïtien reconnaît comme un gros acteur haïtien, que Jean Mouet, M. Rélé Smoy Noisy. Avec lui, nous parlons de battre bouche pendant plus d'une trentaine de minutes dans le 5e numéro de Chaka Kiltirel. Là, nous allons retourner tout de suite après l'interview pour que nous soyons capables de fermer Chaka Kiltirel avec un coup de jet sur l'actualité culturelle là, et particulièrement un review sur performance magistrale formation musicale ZAFEM qui a fait grande première ligne 3 juillet qui s'est passé là. Retirez avec nous, nous allons tout de suite après. Kounia, on va suivre l'interview que nous avons réalisé avec Smoy Noisy pour 5e numéro de Chaka Kiltirel. Dans le numéro de Chaka Kiltirel, nous avons décidé de parler cinéma. Nous avons décidé d'ouvrir une parenthèse cinéma. Et pour nous parler cinéma, nous avons un acteur. Nous avons une figure emblématique cinéma haïtien, si vous voulez. Smoy Noisy, avec lui, nous avons battu bouche sur le cinéma de manière globale, mais sur le cinéma haïtien. En particulier, garder la réalité cinéma haïtien, garder si jodi a nous ka continuer parler de industrie cinématographique haïtienne. Tout ça, c'est pour l'élément qui parle dans menu édition jodi a avec Smoy Noisy. Il a profité saluer Smoy. Nous contactons sur plateau émission. Moi même tout. D'accord. Et bien, c'est un grand privilège moi pour me sur plateau avec Okanli dans Chaka Kiltirel. Et nous saluer tous les amis qui suivent nous. Et exercice sous présent là, il est facile, soit fait. Essayez-moi. Et présenter Smoy Noisy. Bon, mon cher, et pour me dire honnêtement, c'est peut-être un exercice qui est plus difficile que je propose moi à chaque fois que je suis devant la caméra. Et parler de moi, je pensais que c'est presque gênant de parler de tatou, parce que je pensais que meilleure façon qu'à découvrir tout c'est une opinion l'autre qui en face eux parce que bon même moi toujours une bonne opinion de où moi toujours une bonne opinion de où et surtout lorsqu'on est haïtien parce que chaque grand haïtien comprend que je suis tête mon alors que bien souvent c'est pas mon donc et, bon nous allons tout simplement parler peut-être professionnellement de nous et nous allons dire que nous sommes passionnés de communication. Nous avons eu une chance de faire radio, nous avons eu une chance de faire télévision, nous avons eu une chance de faire cinéma, qui permettent de faire des expériences extraordinaires dans le domaine ça. Et, mais nous croyons que la plus belle expérience que nous faisons, c'est dans le cinéma. Et c'est d'ailleurs lui-même qui prétexte, qui fait que c'est Arouka avec nous sur le plateau aujourd'hui, nous avons annoncé, nous avons fait un petit bat de bouche sur le cinéma. Et je dis à
l'artiste, bon regard sur le cinéma haïtien, hein? Ça le bon comme résultat, le regarder réalité cinématographique haïtien. Bon, réalité cinématographique haïtien, pas quoi le différent de réalité générale de nous-mêmes haïtiens. Parce que s'ouvre qu'on en société, c'est aller dans le cinéma, là, regarder comment le cinéma fait. Et au niveau technique, au niveau mise en scène, au niveau scénario, au niveau histoire, et puis avoir une idée de qui sa société a est. Et donc, cinéma, je pense que c'est la plus belle plateforme pour reproduire ça en société, et puis belle plateforme pour évaluer ça en société. Donc, regard comme bien ce cinéma, c'est que bon, d'abord, cinéma en général, c'est un gros outil pour communiquer, un gros outil pour faire des messages importants passer, un gros outil pour éducation, par exemple, un gros outil pour nous découvrir tête nous, un gros outil pour nous faire l'autre monde découvrir nous tout. Et c'est un peu ça que le cinéma haïtien est moins. Et il permet de nous découvrir des talents peut-être que nous n'avons jamais imaginé si pas de cinéma. Des potentialités que nous n'avons jamais découvrir si pas de cinéma. Ensuite, il permet de nous valoriser la communauté. Nous tout. Parce que bon, je dis, hein, ça que nous avons montré dans le cinéma, il n'est pas seulement été dans la communauté noire, nous partager avec un paquet l'autre nationalité, américain, canadien, etc. Parce que, bon, pas oublier, nous-mêmes haïtiens, nous connectés avec, nous sommes communauté internationale, nous connectés avec un pile étranger, nous mariés avec eux, nous bien avec eux, nous faisons business avec eux, nous avons des activités culturelles ensemble avec eux. Donc, c'est une belle plateforme côté que nous faisons des messages passer, nous faisons. Et culture nous passer. Donc, je pense que c'est regard ça comme gain sur le cinéma. Il m'a ajouté tout que, en même temps, c'est un outil qui permet de nous faire connexion entre nous. Tout. Parce que, bon, je dis, hein, grand pile amitié qui crée, grand pile partenariat qui crée, c'est grâce au cinéma. Et peut-être que, on est avec Jean Gardi Bien-Aimé, par exemple, peut-être pas que j'ai une chance de rencontrer Jean Gardi Bien-Aimé, et fait parcours ça, et. Qu'un bel amitié que moi-même avec Jean Gardi bien aimé que nous gagnons, nous avons cité plusieurs autres noms encore. Nous avons cité Stanley Mathéus, nous avons cité Reginald Lubin, nous avons cité Alessandra Lemoine, pour ne pas citer Monsieur seulement, Manfred, etc. Donc, tout un panoplie de amis que Alessandra Lemoine, que le cinéma. Ouais, ben, oui, Smoy avec le cinéma, certainement son relation qui tissait, ça fait quelques temps. Où songez, première fois, où vous allez jouer dans le film, vous avez quel âge? Et bon, nous sommes dans une vingtaine, nous. Et moi, songez, premier contact, moi, surtout avec Jean Gardi Bien-Aimé. Moi, j'étais dans Radio Métropole, et monsieur était venu pour me faire une interview parce que l'étape fait promotion à l'époque, en film, l'étape a sorti, qui était l'enquête se poursuit, quoi. Et c'est à partir de là que nous faisons premier contact, moi, avec Jean Gardi. Et c'est là que monsieur proposait nous un rôle tout dans le film, là. Ah, qui, non, enfin, le cap à la une. Le cap à la une. L'enquête se poursuit finie, il prend la préparer pour faire. Le cap à la une. Le cap à la une, il proposait nous un rôle dans le cap à la une. Et il propose un rôle. Il proposait nous un rôle. Il propose le rôle principal, le rôle sous les rôles garçons. Oui, c'est ça. Premier rôle. Premier rôle masculin, oui. Donc, et c'était sa proposition de, en fait, non, il était seulement invité à participer dans le film. Là. Mais il n'a pas dit exactement ni scénario film. Ouais. Là. En fait, moi, je connais le scénario film, je connais l'histoire film. Là. Après que je fais le film, dans le jour où je regarde le film. Là. Parce que, bon, d'abord, je ne suis pas très convaincu, et je me toujours aimé dire ça, je ne suis pas très convaincu de qui ça, de sa cinéma. Et le cinéma, c'est toujours qui ton un petit goût, un léger goût en mer sous les voies. Là, je suis regardé le film ici. Je me suis trouvé que le scénario était un peu tiré par les cheveux. Je me suis trouvé que. Sonorisation t'es manqué, donc pas toi moi-même dans le cinéma et non cinéma comme ça. Donc alors l'homme dit Jean Gardi oui pas un problème m'a participer dans le film là, c'était juste en façon pour en façon courtoise pour pas dire non. Et même il fallait pas, il faut pas dire oui à Jean Gardi l'on pas c'est cadeau cadeau ou sous scène là, il s'est un peu sacrifié moi. Donc, moi, je fais une magistrale expérience avec lui. Nous monter au Cap, nous faisons quoi 15 jours dans l'hôtel Montjoly.
Et c'est là tout tournage film en fait, dans le Citadel, etc. que m'a découvert pour la première fois grâce à et cinéma, grâce à Le Cap à la Une. Et rencontre moi avec tout premier acteur qui dans Le Cap à la Une yo, et qui vient comment elle ça constituer en grande famille pour nous. Donc c'est avec première expérience ça. En première expérience qui peut venir avec un paquet de l'autre pour ce deal, c'est une expérience qu'on pas regrette du tout. Pas du tout, au contraire, qui permet de découvrir un paquet de réalités. Réalité, d'abord, premier balance, c'est l'intérêt que Haïtien gagne pour le cinéma. Haïtien a plus l'intérêt pour ça que la caille. Mais bon, sans cinéma, peut-être que je ne vais pas jamais découvrir ça. Et puis belle expérience, puis belle évaluation, c'est Le Cap à la Une, Impérial, Ciné Impérial. Enfin, pour le monde qui était contre Ciné Impérial, il y a 4 salles dans le Ciné Impérial. Et il y a Le Cap à la Une en salle 2. Il y a 3 salles alors dans le Ciné Impérial. Et c'est Capitole qui a 4 salles, mais Impérial a 3 salles. Donc, ils mettaient Le Cap à la Une dans la salle 2, Impérial. Et dans la salle 1, ils ont un gros film qui a choisi Neger la dernière. Donc, pas besoin de dire. À l'époque, choisi Neger, film Hollywood, etc. Donc, c'est lui-même pour tout le monde qui a envie de regarder. Et à notre grand étonnement, ce film haïtien, la majorité du monde a envie de regarder. Au point que ils sont obligés de retirer. Le Cap à la Une qui était en salle 2, puis on mettait dans la salle 1 qui avait une plus grosse capacité. Et voilà comment nous finissons par nous compte que mais c'est une grosse potentialité dans le cinéma haïtien. Et expérience en fait, on continue à jouer dans des films. Je dis à soit dresser les films que je vais jouer. Et soit bon, comme acteur principal ou comme figurant. Ça le bail comme résultat. Il y a à peu près 6, pas en pile. Mais malheureusement, la majorité de monde croit que c'est moi-même avec Régie qui jouait plus de films qui gagnent. Et au même. Quelle perception ça a fait? Et au même fait nous reproche que monsieur, nous avons tout le film nous-mêmes. Alors que bon, je pense que peut-être Régie jouait plus de films passé moi et Jean Gardy jouait plus passé moi. Moi, je jouais à peu près dans 6 films et que nous avons cité. Le premier, c'est Le Cap à la Une, Millionnaire par Erreur. Jean Gardy toujours? Millionnaire par Erreur. Non, Millionnaire par Erreur, c'est scénario pas. Mais scénario pas. C'est scénario pas moins, mise en scène pas moins. Mais c'était pour rendre hommage à Jean Gardy Bien-Aimé. C'est ton film pour rendre hommage à Jean Gardy Bien-Aimé. Après ça, tout l'autre film, ce n'est pas moi qui écris. Tout l'autre film, c'est invité que vous invitez maintenant. Où jouez Miracle de la Foi. Miracle de la Foi et nous gain, encore Jean Gardy. Nous gagnons VIP. VIP. Sophia avec Reginald. Ensuite, Millionnaire par Erreur. Et puis, quoi, dernier film que participé la dernière. Bon, nous avons un petit. Un passage de très peu d'intérêt qui c'est dans Until the Last Breath que et Bora Etienne Junior réalisé. Ouais. Oubliez Journée de couleur. Oui, bon, Journée de couleur, exactement, parce que bon, alors, on m'a toujours aimé dire toutes les amis qui sont avec moi et je pas en pile mémoire. Si reste mémoire qui était là, c'est juste pour me songer que je pas en pile. Ouais, ouais. Donc, ça fait quelques. 6 à 7 films pour. Oui, 6 à 7, oui. Ah, ouais. Intéressant. Mmh, et, mais ça va faire de nous, ni moi-même, ni Régine, qui veut plus faire. Et Samuel, mais pour qui ça a gagné sensation, sentiment que. Et vous-même, original, qui veut plus faire. Est-ce qu'on a une sensation à tout? C'est bizarre. Ouais, mais, l'autre dit nous jouons seulement 6 films, ouais. Ils sont mal dans un moment. Mais pour nous, que moi, en pile, dans la télévision, dans le film haïtien. Mais peut-être que perception est arrivée du fait que ces films pas nous qui retournaient plus. Peut-être. Mais parce que, pas parce que c'est nous-mêmes qui jouons dans plus de films. Et tout élément, ça, c'est des détails qui permettent de nous comprendre la réalité qui est dans l'environnement, la réalité qui est dans la société. Nous, combien il est facile pour nous faire une conclusion sans que pas aucune vérité réelle d'elle. Donc, le cinéma haïtien apprend moins ça. Le cinéma haïtien apprend moins plus tolérant. Le cinéma apprend moins accepter la différence qui gagne entre nous. Parce que nous sommes une société qui charge avec la différence. Parce que malheureusement, dans la réalité, nous, dans la pratique quotidienne, nous ne pas jamais apprendre nous. Fixer un objectif commun. C'est-à-dire, nous, chaque haïtien, nous avons une référence par nous, nous avons un repère par nous, au point que si on demande de nous côté soleil à lever, chaque nègre a dit, un peu qu'a dit dans le nord, un peu qu'a dit dans le sud, il va jamais dire dans l'est. Donc, et je crois tout que c'est l'élément sérieux qui peut-être fait que nous avons une société aussi disloquée, nous avons autant de difficultés pour nous entendre nous
avec peut-être pas nous parfois, ou bien avec l'autre qui est dans l'environnement nous. Donc cinéma, pour moi, c'est en l'école qui apprend à découvrir, qui permet de découvrir un paquet de réalités, des subtilités peut-être que je n'ai jamais découvert, si ce n'est pas de cinéma. Et qui, j'aime bien, permet de accepter la différence qui gagne entre moi-même et l'autre, la différence qui gagne entre nous. Et comprendre l'école nous mieux, tout, parce que bon, moi, ouais, toute faiblesse l'école, là, tout, à partir de l'expérience. Parce que bon, moi, je crois que l'école nous a doit non seulement repenser, mais raisonner tout. Parce que nous avons l'école qui apprend nous tout ça, et qui est moins important, et puis qui néglige ça qui est plus important, qui c'est apprendre nous vivre, par exemple, apprendre nous choisir. Donc, je pense que le cinéma a un peu aidé dans l'apprentissage. Vous jouez dans un pile film, j'en sais tout à l'heure. Cinéma, globalement, il faut découvrir des mondes, il faut tisser des liens avec des mondes. Mais il y a des mondes que vous avez perdu par la suite. Il y a un amour plus tragique que l'autre. Mon cher, on dirait que. Oui, non, environnement pas noir. Bon, ben écoute, après presque 30 ans de cinéma, on ne va pas plein. Parce que bon, nous pensons quand même que nous avons une communauté qui protégeait. Parce que bon, pas quoi nous perdu 4 monde. Donc, on peut imaginer. Donc, nous pas perdu vraiment plus de monde, peut-être 4 ou 5. Et bon, Ginou, malheureusement, dans des conditions tragiques, malheureusement. Et puis bon, nous avons Bernadette, Sylvain, que nous perdons du tout. Farah, nous perdons Farah, mais Farah pas presque enfin proche moins dans le cinéma, à part dans VIP. À part dans VIP, bon, mais parce que. Et. Par contre, c'est le cinéma qui fait. Enfin, aucun B, mais aucun B. Ne serait-ce qu'à l'écran. Ne serait-ce qu'à l'écran. Justement. Ouais. Ouais. Une préférence dans tout film les jeux. Et. Moi, je pense que. À préférence entre deux millionnaires par erreur, même si moi j'ai un petit penchant pour le Cap à la Une, tout, enfin qui c'est un film qui lance sous plateau. Mais moi je crois que la plus belle expérience c'est Millionnaire par erreur, du fait que c'était comme tu as dit, un album de famille avec toute tête d'affiche, toute personnalité, tout personnage. Et puis bon, ça film en vente comme histoire. Donc, moi, c'est que c'était peut-être une belle expérience. Où pouvez être au millionnaire par erreur, traduit, transcrit en histoire que nous avons vivre, continuer à vivre aujourd'hui. Tu m'as confiance, abnégation, au fait, comme ouais, ça. Qui font un million de dollars, qui acceptent de remettre les. Malgré conditions difficiles. Et donc, c'est-à-dire, nous croyons que aujourd'hui, nous avons une société qui perd du espoir, parce que qui croit que demain va plus bon. Une société qui perd du courage. Et c'est dommage parce que bon, nous croyons que deux plus grosses qualités en société qui a gagné, c'est le cap investi dans le courage, le cap investi dans l'espoir. Une société qui n'a pas gagné espoir, eh bien, c'est une société qui n'a pas gagné avenir. Une société qui n'a pas gagné courage, c'est une société qui n'a pas attendre, c'est une société qui n'a pas bataille pour atteindre un objectif. Et j'aime toujours même dire, le courage peut avoir le cœur qui saigne, mais le courage ne doit jamais perdre courage. Le courage ne perd jamais courage. Il en est de même de l'espoir. L'espoir qui a perdu, l'espoir qui a gagné tout le monde, qui a saigné, tout le corps qui a saigné, mais il va pas permettre de perdre l'espoir. Et nous pensons que malheureusement, nous avons une société qui a tendance à perdre l'espoir, qui n'a pas quoi d'avenir. Et c'est peut-être plus grosse malchance qui est arrivée, quelle que soit la société. Hein. Donc, nous espérons quand même que lecture nous fait, c'est pas les vérités, c'est pas les réalités, parce qu'en même temps tout, nous côtoyer en bonne jeune qui continue quoi dans tête, yo, qui continue quoi dans ça monde qui bon côté au café, parce que bon, nous croyons que puis gros talent que nous avons découvert, puis gros compétences que nous avons découvert, c'est pas ça que nous allons à l'école là, c'est ça que nous gagnons dans nous-mêmes là, et qui fait passion nous, qui fait que nous passons une nuit sans nous pas dormir, qui fait nous passons une semaine sans nous pas dormir pour nous travailler sur un projet et accomplir des exploits, des rêves inimaginables, impensables. Vous présentez souvent comme un plus gros acteur haïtien, ou à l'aise pour ça? Vous un plus gros acteur haïtien, bon, comme c'est un plus gros acteur haïtien, moi très content, seulement
malheureusement, je ne peux pas faire effort encore pour mériter le titre là. Moi, j'espère que l'accomplissement que nous faisons permet de nous mériter le titre là. Et bon, si vous avez présenté comme un nom, je pense que c'est peut-être parce qu'on a accepté, peut-être parce qu'on a adopté. Donc, très souvent, c'est cette perception qui fait nous un bon titre, bien qui fait nous un mauvais titre. Donc, j'espère que la perception fasse à jouer en faveur moi. Dans la réponse sur ce bain là, bon bail qui coulait. Tant que Smoy annonçait que il va au cinéma encore, il va. Eh ben, moi je voulais rassurer tout le monde qui a suivi moi là à Goulia. Moi toujours même dit que un acteur cinéma était un acteur toute sa vie et peut-être même après sa mort. Parce que si on a vu le film même le mourir, moi dans ce cœur moi pour faire un film, qu'a faire un film tout. Donc moi crois que ça c'est une vérité que personne pas qu'à nier, personne pas qu'à ignorer ou qu'à même ils ont quand même mis des photos, ils font comme les ça en montage de photos et parce qu'ils ont fait le bon n'importe qui acteur, ils ont fait mon bon dessiné, ils ont fait le bon n'importe qui acteur. Donc le cinéma ne meurt jamais, un acteur ne meurt jamais et c'est peut-être un grand privilège que chaque acteur gagne parce que nous sous scène éternellement, tout autant que la vie a existé, tout autant que plateforme et plateforme a existé parce que bon, tout autant que pellicule là beaucoup est détériorée. Nous là, tout autant que Internet l'a existé avec comme elle est sa présence nous sur les réseaux sociaux, bon, nous avons plus de chance encore pour continuer à vivre. Bon, je vais poser une question à l'autre genre. On réalisateur Relo Jodia, il a toujours un rôle principal pour vous dans le film. Depuis le film, non, depuis scénario, exactement. Parce que il y a un travail qui est extrêmement important, moi, c'est que je ne suis pas prêt à jouer dans le film. Côté que je fais mon job, une garde pendant deux heures de temps, bien une heure de temps et demi. Et puis après ça, le film, regarder le film, il n'y a pas tiré rien comme le son là-dedans. Et puis me participer, dans faire au pied du temps. Tout. Donc, moi, je crois que scénario un film important pour commencer ça. Non seulement inviter des acteurs à venir participer, mais permettre au public de venir garder tout sans que le papier du temps et tirer le son de ça que les garder pendant une heure de temps. Dans le monde, qui plus gros critique que souvent ils fait à des acteurs, tant qu'au Réginald Lubin, nous, c'est des acteurs qui sont fermés dans un type de rôle, si vous voulez. Mm-hmm. Et pour me piquer clair, est-ce que ça t'a arrivé dans Millionaire Power, dans Jeune Smoy, dans le rôle de Manfred Lapito, que dans le rôle de Stéphane Houston? Bah oui, ça t'a arrivé, parce que bon, et pourquoi pas? Moi, je suis les acteurs. T'as pas à l'aise dans le rôle de Manfred là? Et personnellement, non. Personnellement, non. Mais moi, je pensais que bon, c'est ça que font film. Chaque nègre n'a pas un personnage que vous sentez qu'il est bien à l'aise là-dedans. Et en fait, moi, j'étais quoi qu'un acteur doit capable de jouer n'importe qui rôle. C'est-à-dire, un bon acteur alors. Maintenant, comme moi, j'ai un grand problème dans le film. C'est si moi-même, je joue un rôle qui peut-être pas mener aucune leçon, et puis personne d'autre monde à côté dans le film n'a pas mené. Pas mais non qu'une leçon, mais pas nécessairement moi-même qui mène la leçon. Je pense que l'expérience en fait déjà avec Phil Mora et côté que moi jouer rôle un simple inspecteur de police, donc je pense que et donc ça arrivait. Il peut-être pas arriver avec Manfred, mais arriver avec Paul Attis qui jouait le rôle principal là, et moi-même moi joue un rôle de second plan. Donc c'est pas un comme d'agadir ça. C'est pas obsession d'être dans le meilleur rôle, dans le bon rôle, et puis nous pas imaginer que nous amenons un élément pour comme les mettons l'autre en valeur, mettons l'autre en réalité critique là c'est pas ou elle dans obsession pour Smoy jouer un rôle principal dans le film, mais c'est imaginer un Smoy qui parle un rôle où il a parlé français. Mais majorité film nous ne va pas les français. Non, vous faites attention. Majorité pas les français. Majorité pas les français. Non, nous va pas les français dans Millionnaire par heure, nous va pas les français dans et l'aide de Stéphane au contraire et français seulement, est-ce pas? Ben oui, mais non, mais attends. Ousto. Alors, attention. Gomba a question importante que je voulais partager avec vous. Que là nous font film en français ou bien en langue, quelle que soit la langue. Nous faisons pour que les gains en majorité couverture. C'est-à-dire, je dis, si on a fait un film en créole, ok, il est valable uniquement pour la communauté créolophone. Uniquement pour la communauté, enfin, les gens qui
qui a suivi en créole. Comprendre créole. Mais nous même haïtiens là n'a pas gardé le nouvel pas en créole mais en français etc. Nous pas rendre nous compte que mais nous parler deux langues et c'est pas cinéma qui fait nous parler deux langues. Son réalité culturelle que liée. C'est-à-dire si nous parlons français dans film, est-ce que nous avons plus chance couvrir international là si n'a comment ça fait on calcule pour nous couvrir et national là et international là. Donc si nous parlons français dans film, nous avons plus chance. Nous avons comment dire ça, on couverture beaucoup plus large. Mais il pas nécessairement parce que nous voulons parler français ou bien parce que nous voulons faire Shelby, parce que moi-même personnellement depuis longtemps me fait différence là, moi bâti nuance là. Et c'est une raison qui fait dans film là, peut-être dans millionnaire par grand parti côté nous parler français certes. Mais nous prenons le soin faire traduction en créole de façon à ce que nèg qui pas comprendre français il va comprendre créole là, parce que moi sûr et certain que vous remarquez non pas bon parti côté que Manfred dit mon pas ouais ça crivé a lui expliquer tout scénario film là, en créole il dit mais ça crivé a. Donc en d'autres termes c'est une façon pour nous faire une forme de traduction sans que pas gagner un subtitle dans le film là. Et moi crois que bon, nous jouer un peu avec intelligence ça pour que le film couvre au maximum d'audience sans que il pas un aspect comme c'est d'adou qui était priorisé le créole ou bien qui était priorisé français. Mais généralement, le film est toujours en créole parce que bon, on connaît le Cap-à-la-Vie, nous t'es un peu français peut-être dans le Cap-à-la-Vie parce que tout est changé moi-même avec Daphné, tu es fait avec tu es fait en français. Mais t'es grand-pile parti créole, tout, qui était bon. C'est souvelé, son réalité haïtienne, ni, c'est pas une réalité cinéma. Son réalité haïtienne. C'est-à-dire, je dis, on soit parlé entre collègues, enfin, moi-même, avant, on a parlé créole, non. Ok, entre deux haïtiens, deux copains. Et, mais si, ou il veut, on parle avec Bossou, par exemple, il y a un peu moins. Mais, c'est-à-dire, longtemps, on parle avec Bossou, t'as bien tendance à parler, et, surtout pour nous-mêmes, qui est en communication. Ok, et moi-même, je me levais dans la génération, côté que, bon, majorité de communication était faite en français. Donc, il vient était peut-être, comme on a dit, en seconde nature, mais nous préoccuper avec question langue. Langue n'a pas doué, il y a un handicap. Il n'y a pas de handicap pour nous. Et, moi, même ça nous dit en créole, là, nous avons dit avec, même nous avons dit en créole, sans que le papier du sens, li, dans n'importe quelle langue que vous traduisez. Et parce que c'est ça qui est fondamental comme débat. Et tu as dit, tu as même ajouté par rapport aux langues, moi, quand il y a des mythes qui tombent, nous, que les servantes, les femmes de ménage, en plus, il faut expliquer ce qui passait dans le feuilleton que tu regardes en français. Mm-hmm. Alors, que nous n'avons pas compris rien en français. Oui, exactement. Le cinéma allait au-delà de questions de langue, il y a l'image. Que tu regardes, que tu es capable de rapidement traduire dans la réalité, pas les rivets, transmettre compréhension oui, par le monde qui n'a pas de chance de regarder. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas parce que, bon, il y a une pile de déformation la plupart du temps. Et moi, songer, enfin, nous faisons une blague avec lui, on est qui t'attendait à une radio martiniquais. Et puis, bon côté, radio, enfin, présentateur a dit. Alors, il a présenté le journal et puis il dit à la Martinique ont été arrêtés deux voleurs. Et puis, l'équipe de convoi français a dit attendez, monsieur, qui cause cet été ça y est là, monsieur, pour l'arrêter deux voleurs. Qui cause bah, dans le pays étranger, vous avez de l'histoire, attendez. Donc, nous, parfois, nous tendez enfin, de manière, moi, t'as qu'à dire, nous reproduisons exactement dans le son. Hein. Dans le son, nous tendez et nous balle en définition à partir de son, nous tendez si nous ne maîtrisons pas l'anglais véritablement. Mais bon, moi, je crois quand même que dans le cinéma, il est un peu différent parce que, bon, on a une image qui appuie sa capdia et qui permet qu'on meilleure compréhension aussi. Bon, c'est même gens nous-mêmes qui regardons un film en anglais, nous ne comprenons pas l'anglais. Même gens qui regardons un film chinois, nous ne comprenons pas chinois. Ben, nous regardons des images et à partir de images peut-être, surtout si c'est un film karaté, nous ne pouvons pas perdre du temps, nous, quand ça appuie. Ching, 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 c'est intéressant. Chaque monde peut s'intéresser. Sur la scène internationale, l'acteur préféré de Smoy Noisy, bon, d'abord, parce que Denzel Washington, c'est un nom, et t'as mis Denzel Washington en premier, non seulement comme un acteur extraordinaire, mais Denzel, pour moi, tout charrier, tout en conviction, tout en leçon dans le film. Denzel, pas seulement un acteur, pour moi, Denzel, pour moi, son professeur, tout, son gros sociologue, qui a un regard extraordinaire sur la société que la vie va donner et qui a une implication. Essayer de transformer et améliorer la société là.
Deuxième acteur que m'tap choisi, c'est Harrison Ford. Parce que bon, parce que Harrison, son homme, le long film, c'est comme s'il parle en film. C'est-à-dire, c'est dans, on a l'impression que c'est dans la vie courante, et pour, peut-être nos fenêtres, et pour regarder, on séquence dans la vie. Hein. Et parce que bon, monsieur mène un film là, avec un pile brio, moi, mes films aventure, particulièrement Indiana Jones, et que je trouvais, enfin, je atteins sommet. Le sommet de là, comment on dit ça, Indiana Jones, donc, bon, c'est deux acteurs, ça, ouais. D'accord. Ouais, bien. Ouais. En parlant de ça, n'a pas retourné vous, nous, nos acteurs préférés, local, mais en parlant de ça, genre de film préféré, ou d'aventure, donc, c'est sûr que l'aventure est là, c'est mouvement. Oui, mais bon, mon petit penchant, aventure, personnellement, non moins. C'est peut-être une raison qui fait que, bon, film aventure est attiré, mais, bon, mais sinon, pas très film à l'eau de rose. Moi, un film pour qu'on tire une leçon là-dedans. Moi, un film qui apprend nos bagailles, qui apprend nous améliorer l'attitude, nous apprend nous améliorer les relations avec l'autre et apprend nous jouer une solution, apprend nous vivre. Intéressant. En nous retournant là-bas, il y a un acteur qui. Là, au moins, il me faut un exercice très dangereux. Acteurs, les acteurs pour bon, c'est sûr, j'ai déjà dit mon problème de mémoire. Déjà, d'abord, je oublié dans sa mémoire. Et ensuite, je pas dit, oublié l'autre. Parce que, bon, pas oublié, nous avons un environnement très, très sensible. Et un pile d'émotions. Si je me dis, Manfred, par exemple, et puis oublié Bichat, ou bien oublié Régis, même parce que. Nous devons regarder le cinéma en équipe au lieu de regarder à l'individuel. Et moi, je pensais que nous t'es servi avec le cinéma tant qu'on a des outils pour créer une belle famille. Je pensais que c'est ça qui peut être la plus belle expérience et que m'a songé. C'est-à-dire, je ne dis pas que tu es un nègre qui est plus marqué que l'autre. Je pensais que nous faisons équipe et l'équipe l'a marqué. Moi. Donc, moi seulement crois que ça nous a réussi à faire aujourd'hui, qu'a fait dès l'an, mais côté nous pas, il y a l'autre monde qui a parlé de nous, qui a parlé de Bichat par exemple, qui a parlé de Manfred, et là où dit Manfred, tout le monde voit qui est, qui a parlé de Reginald, qui a parlé de Mora, qui peut-être pas font parcours aussi serré avec l'équipe Panouan, mais bon, je crois que bon. C'est quand pile ouverture, grâce à Jean Gardy, et toute reste équipe, tout l'autre monde, chaque monde qui dépose des contributions par eux, et qui fait que aujourd'hui, un film, ça a servi de référence. Pour ça, selon vous, il y a toujours, si on parlait d'original, vous collez la semaine, si on parlait de semaine, vous collez l'original. Bon, c'est peut-être complicité, justement, qui te gagne dans le film, et complicité qui gagne à côté film. Parce que bon, faut me dire honnêtement, nous sommes qui profitait en pile de cinéma. Parce que l'homme pas Asmoy Noisim, c'est Réginald Lubin. L'homme pas Réginald Lubin, c'est Père Desmérans. L'homme pas Père Desmérans, c'est Jean Gardy Bien-Aimé. Donc, heureusement pour moi, c'est pas des nègres qui ont cherché. C'est pas des nègres la police qui ont cherché, sinon, t'as pas arrêté de me brûler tout. Parce qu'il y a des côtés privés où il y a Jean Gardy, bon, on est obligé de répondre. Il y a des côtés où il y a Père Desmérans, on est obligé de répondre. Il y a des côtés où il y a Régis, Manfred. Donc, je pense que c'est complicité que nous avons réussi à développer entre nous qui fait ça. Hormis Miracle de la foi, mais des films que vous avez dans l'original, ou l'autre. Et oui, nous avons VIP. VIP. Ouais. Mais c'est deux films, ça. En fait. Parce que, oui, c'est deux films, ça. Non. Mais Régis fait un passage dans Millionnaire Barrio. La première fois nous dans le même film, c'était dans Millionnaire Barrio. Ouais. Et hormis Film Boy, un film haïtien, Mapo, Histoire, du bagaille, jeu d'acteur, du bagaille. Oui, moi, parce que La Rebelle, c'est un bel film. Et La Peur d'Aimer. La Peur des Mêmes, parce que son film est référence et qui voit le cinéma haïtien monter en pile. Techniquement, c'était un très bon film, mise en scène était très très bon. Et quoique La Peur des Mêmes pour beaucoup là, et mettait cinéma sous un bel podium. Ensuite, nous apprenons La Rebelle. Le Cap à la Une, bon, oui, nous apprenons Le Cap à la Une, du fait que Le Cap à la Une, c'était le premier film haïtien qui distribuait dans la diaspora. Et qui était peut-être lancé sous l'industrie
si nous parlons de l'industrie cinématographique haïtienne dans la diaspora. C'est le premier film qui distribuait tout sous vidéo cassette et qui était en couverture et aussi important que, et, enfin, comparé à l'autre film. On va estimer dans le scénario de Capalayune, hein, pour une ressemblance avec La Peur des Bées, ou à Jacques Mel. C'est ça. Original à Jacques Mel ou à Luca. Exactement. Nous fait contre l'homme et nous tourner dans votre. Exactement, oui. Donc, il a toujours signalé ça, mais bon, à mon grand étonnement, Régis dit qu'il n'y a pas de jambes mouées. Donc, c'est des coïncidences étranges. Parce que Régis dit qu'il n'y a pas de jambes mouées et. Capalayune. Il n'y a pas de jambes mouées de Capalayune. Donc, ça. Il sortit en moi. Parce que s'il dit, ouais, le Capalayune sortit bien longtemps avant, ouais. Donc, mais moi, je pensais que s'il était ouais, ou peut-être que l'État hésitait à, peut-être. Mais ça arrivait que, bon, on est en Chine, ils ont l'idée qui est tout à fait pareille avec on l'autre nègre qui est juste en Haïti. Et je pensais que, moi-même, personnellement, vu l'expérience, ça, je me songeais qu'on l'aime d'avoir réfléchi, font une petite mise en scène qui montrait, comment, nous mettait peut-être nous en danger, par exemple. Là, nous sommes professeurs. Et puis, la facilité, on étudiant qui, Mounpano. Alors, c'est un professeur qui était marié, ou bien qui était en relation avec une dame, mais dame n'était pas un petit monde. Et puis, monsieur a pas amusé lui, même le nègre n'a pas été bon à l'école, monsieur a poussé le nègre, a fait le nègre. Et puis, à la fin, monsieur arrivait comme docteur. Et puis, on joue monsieur malade, et puis, qui est-ce qui va me laisser à vous venir prendre soin de lui? Bah, je connais que les gars ont une compétence, mais bon, qui est-ce qui est responsable? Et puis bon, au bon matin, à mon grand étonnement, je me rends compte que voilà tout le monde qui dépensait même pas là tout, et qui font des scénarios exactement pareils. Donc, vous avez voilà? Ça arrivait, bon, ben, on était dans la tête même. Mais ça arrivait que nous avons pensé même scénario à un même moment, peut-être. Nous allons finir, mais on faut entrer dans le détail. Par exemple, nous sommes plateau. Acteurs ou bien pour jouer. Il y a des séquences qui sont plus difficiles que de l'autre. Il y a des acteurs qui sont plus réticents pour faire un rôle ou bien pour poser une action comme acteur ou comme actrice comme l'autre. Quel est-ce que tu vas consacrer sur le plateau? Ah ben c'est clair. Dans Thibault, par exemple. Ah ben justement, mais c'est sous Thibault même dans la ruine. Moi, si j'ai dans le cap à la une et qui j'en étais difficile pour moi, pour une beau fille. Alors que fille a pas. Justement, c'est difficile. C'était étonnant à dire. Il était difficile, moi, après, il était moi qui se comment faire? Il était difficile, moi, mon beau fille. Alors, par pudeur, peut-être, puisque, bon, pas aucune relation réelle, ou pas de comment ça. Donc, oui, c'était, ça aurait été comme si me dit, au fond. C'était donc on viole, je voulais. Alors, est-ce que, mais j'ai regardé, dit, mais, à un certain moment, j'ai regardé, nerveux, c'est bon, j'ai regardé, me dit, mais beau fille, beau fille. Et puis bon, il y a pas de pipa. Alors, il ne faut pas dire ça, il ne faut même pas dire qu'il filme. Pas dire qu'il filme, non, mais ça arrivait, parce que bon, dépendamment du tempérament, ou dépendamment de, bon, de respect qu'on gagne pour comment aller ça, parce que bon, son monde qui chale avec respect pour fille qui boit des mains. Donc, comment on peut prendre ça, même si c'est non film? Comment on peut prendre ça, même si. Bon, mais bizarre, on va dans le film, pour Mes vidéos. Ouais. Mais vidéo dans ce monde, de toute façon, ce n'est pas nécessaire. C'est aucune vidéo, hein. Et moi, je pense que dans le cas de la une, si Matt Gombo, il va la tuer, il va la déranger, moi. Parce que, bon, nous, t'es qu'à toujours. Dans Millionnaire par Héros, prochain que Matt Gombo, par exemple. Dans Millionnaire par Héros, même parce que, quand même, que bon, écoute, avec ou sans beau, le film reste ce qu'il est. On filme, c'est pas beau à quoi le fond film, on prend poids, ou bien c'est peut-être émotion que nous traduit à travers les mises en scène, là. Et parce que, on met qui t'est déposé. Sur l'autre, c'était plus chargé avec émotion qu'un beau traditionnel que tout le monde habitué avec eux. Yeah. En film haïtien, que ce moment, ouais, et bien dit, waouh, t'as pas à l'aise dans le film, ça m'a pas joué. Peut-être La Rebelle, ou bien La Peur d'aimer. Je pense que t'as pas à l'aise dans qui wall dans le film. Bon, finalement, n'importe qui wall. Moi, t'as content dans, comme on disait, La Peur d'aimer, mais t'as content dans La Rebelle. Et moi, j'ai aimé le premier film Bicha, rôle de I Love You Anne. J'ai aimé I Love You Anne. Parce que je pense que. Bon, moi, tout film dans net, tout sa film dans charrier, tout sa film dans beauté. Et Bicha qui explosait, qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire dans le film, non, avec des inventions et des. Non, donc Bicha, je pense que le film, ça a montré vrai talent, Bicha. C'est pas film là, qui fait Bicha. C'est Bicha qui fait film là.
C'est excellent. Oui, donc, je vais où imaginons nous World of World 4-3? Bon, oui, l'étape peut-être en personnalité pas, parce que je pense que chaque monde qui vient dans le rôle vient avec personnalité par eux. Et c'est sûr et certain que... Mais tu ne pas avant. Mais ça fait une petite personnalité. Ça fait une petite personnalité, donc, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer le film, vous pouvez jouer avec personnalité pas moins. Et dépendamment du réalisateur à tout, si c'est peut-être non, comment sa personnalité pas qu'à toi, l'estime que t'as obligé de mettre dans le rôle là. Parce qu'on rôle, c'est ça que lié. C'est le réalisateur qui bon exactement. Bon, bien entendu, le réalisateur garde tempérament tout, il garde personnalité avant que le bon rôle. Même penser que l'exploit qui est bien intéressant, c'est le personne pas qu'à imaginer que ou t'es capable remettre ça en rôle. Exactement, ouais. Délivrer ma chose. Ouais, c'est ça. En fait, où est comment réalité à aujourd'hui, réseaux sociaux et mon bal dans le cinéma, n'avait pas de salle cinéma encore dans le pays pratiquement. Comment on a vu le cinéma ici en ce moment? Bon, moi, si on a qui croit en pile dans l'avenir, moi, croit en pile dans. Je suis très optimiste, peut-être à l'excès, optimiste à l'excès. Et je pensais que bon Dieu n'est pas trop fâché avec moi parce que si il y a. Un monde qui est optimiste, c'est bon Dieu tout. Parce que si le café lundi, mardi, mercredi, le café un jour suivant l'autre, c'est parce que il croit dans demain. Donc, moi, je crois que ça qui a privé le cinéma, c'est un peu exactement ça qui a privé nous avec Corona. Tout l'autre côté, on prend depuis bon vas-y nous. Parce qu'il y a tout instrument, il y a toute infrastructure, il y a tout moyen. Et puis, la vie a belle, oui. Et puis, Corona arrivé, il mettait tout le monde chita. Et puis nous-mêmes dépourvus, pas grand rien, pas grand ciseaux, pas grand ruban, pas grand médicament. Et puis tout le monde campé pirate. Tout le monde a regardé sa caprivé voisin qui était quoi qu'elle était bien paré que nous. Donc cinéma pour moi c'est ça. Je dis, hein, nous avons plus d'opportunités nous-mêmes haïtiens que n'importe qui l'autre peuple. Nous avons internet là qui c'est-à-dire, c'est des bails presque miraculeux. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est-à-dire pendant. Ça, le cinéma nous pas là, ben, la vie a ben, l'autre opportunité, ouvrir l'autre fenêtre pour nous. C'est nous qui avons exploité. Et je dis, hein, parce que nous avons plus de couverture que nous avons gagné dans le cinéma. Parce que, avec plateforme et sociale, donc, je dis, ouais, nous plus loin. C'est nous-mêmes qui avons exploité. Est-ce qu'on a continué à faire bêtises, on a fait des débats que même nous-mêmes ne pas comprendre et qui ne pas mener à aucun côté. Qui j'en a utilisé ou bien qui j'en a exploité les outils ça pour nous valoriser tête nous et valoriser la communauté nous. Et message moi dans la ville pour tout le monde net, en général, acteur, dans le domaine cinéma, dans tout le domaine, bon. Pour tout haïtien. Message moi surtout pour les amis qui ont fait en carrière cinéma et particulièrement des jeunes qui toujours demandé qui savent le faire. Un message moi c'est, quel que soit ce qu'on a choisi de faire, c'est faire avec passion. Quel que soit ce qu'on a choisi de faire, c'est faire. Pas pour nous-mêmes nous profiter de lui, mais pour nous faire toute communauté nous profiter. Parce que, automatiquement, que communauté nous profite, nous-mêmes, nous ne profitons pas, nous la donnons tout. Nous avons tendance à aller pour contre nous. Nous avons tendance à aller avec un petit clan pas nous, avec un petit groupe nous, avec un camp pas nous seulement. Et puis, nous oublier la communauté en général. Donc, moi, je crois que la communauté a tombé, ben, quel que soit le placement de la communauté à nous tomber, c'est un bon avion. Que nous avons une place qui paye plus cher, ben, nous avons tombé tout. Donc, je dis à nous avons une communauté pour nous construire, nous avons un regard qui fondamental que nous devons jeter sur tout le pays, hein, fait que talent chaque grain haïtien servi, quel que soit à côté lié, fait compétence chaque haïtien servi, et nous, chaque, nous avons profité de lui, plus que l'autre est capable, plus l'autre est capable, plus nous-mêmes nous sommes capables à côté. Merci un peu, Smoy. Ça a été un plaisir. Voilà, c'est Gonçalo et ton bout dans Tibat Bouchon, Jodia. Avec Smoy Noisin, on a parlé cinéma dans Chaka Kiltirel Jodia. Merci à toute l'équipe technique de Chaka Kiltirel qui a fait déplacement pour une édition ça possible. Merci Tipierre, merci Kavish, merci Louvens, merci Jolet, merci Badjo, même si Mbawel qui a coordonné l'édition Jodia. Merci tout le monde. Restez sous TAC 509 pour continuer à suivre notre programme qui a fait. Merci un peu. Et voilà, Smoy Noisy qui dit nous toute salle t'a doué dit nous sous expérience li sous carrière li comme acteur dans cinéma haïtien, en carrière qui commencé j'en saute suivi avec un film d'un coup le Cap à la Une, laisse ça Smoy était gagné environ 20 l'année seulement
lorsque Jean Gardi bien-aimé était invité dans le film Le Cap à la Une, et il était joué premier rôle masculin dans le film ça. Et un film qui quand même était cartonné, qui était connu un succès assez retentissant et qui était fait que Smoy démarrait carrière acteur avec un pile ampleur. Et entre-temps, il y a un pile bagaille qui passait, il y a plusieurs autres films que Smoy participait là-dedans, il y a un film que lui-même il était écrit scénario, il était metté en scène même, un film tant que millionnaire par ailleurs Jean Sodil. Dans l'édition ça, autant de réalisations, autant de films que Smoy participait sur Le Miracle de la Foi avec Gino Mondésir, avec Réginald Lubin comme acteur tout, que très souvent mettait ensemble avec Smoy, ou se comparé aux deux, ou bien, depuis qu'on mentionnait une, on mentionnait l'autre là, parce que c'est deux acteurs que Mounio estimait qui ressemblaient un peu. D'ailleurs, on nous compte que Smoy, même dans le film préféré, lui, on met un film que Réginald Lubin, c'est acteur principal là-dedans, dans le film tant que La Rebelle. Un film comme La Peur d'aimer que Smoy mentionnait comme un gros film haïtien que j'aime regarder. Tous les films, ça, c'est des films que Réginald Lubin joue. Et presque sûr que, notamment de Réginald Lubin, film haïtien préféré, le tour, a besoin des films côté Smoy, Noisy, c'est acteur principal là-dedans. Donc, on croit que nous avons un rapport étroit entre deux acteurs, ça, que ce soit dans la perception, au niveau de perception que le public a gagné de eux, mais tout dans la réalité, parce que c'est des acteurs qui, quand même, jouent des rôles qui, en pile fois, gagnent similitude entre eux. Sauf le Cap à la Une. Ou est Smoy qui déplacé à l'autre cap à jouer un film comme ça, on prend La Peur d'aimer, ou Réginald qui déplacé à Jacmel à jouer un film comme ça, et de là étant idylle, histoire d'amour qui développait entre eux même avec l'actrice principale film ça. Donc on pensait que grand pile similarité, grand pile similitude, j'aime se dire tout à l'heure, entre scénario des films que nous avons joué ensemble. Voilà donc pour toute précision que Smoy a porté pour nous aujourd'hui dans la parenthèse cinéma que nous avons vu dans le 5e numéro de Chaka qu'il tire là. Quel est là, nous prenons un coup de jet sur l'actualité culturelle, là, j'en ai déjà annoncé, avant de fermer 5e édition Chaka Kiltirel. On est triste pour nous commencer la revue de l'actualité culturelle là, dans l'édition ça. Nous avons une nouvelle là déjà, c'est la mort de jeunes danseurs, Sébastien et Nancy, qui mourent dans des circonstances non encore élucidées par la justice et la police haïtienne. Il a travaillé, il a eu un avis de recherche qui lancé contre des individus qui ont été suspects dans le cadre de double meurtre. Ça. Et nous croyons que nous-mêmes, au niveau de Chaka Kiltirel, nous espérons vivement que lumière faite sur situation ça, sur la mort tragique de jeunes danseurs. On a mort qui la cause, spectacle mystigeant, tu as préparé pour te offrir à public là, le 2 juillet, tu annulé. Puisque Misty Jean, c'est un monde qui a auditionné dans le cadre de l'embord de jeunes Sayo, Nancy et Sébastien. Et j'aime te dire, il y a un avis de recherche qui lançait contre ton personnage, que estimé qui t'a gagné, mais trempé dans l'embord, monsieur Dame Sayo, puisque tu as joué 102 victimes dans la machine qui, on a dit, c'est propriété personnage ça. La justice a une obligation dans le cadre d'enquête ça pour le produit et bail résultat. Pour que yo capable élucider circonstances qui la cause la mort Nancy et Sébastien, deux jeunes danseurs qui quand même dansaient en pile pendant la période de confinement ça, et qui t'a danser dans le spectacle artiste mystigeant obligé cancel à cause nouvelle triste. L'autre information, nous te dit ou gagne Woody Woodboy qui a organisé live li asoya et 5 juillet. Woody qui a organisé live li concept là qui baptisé Trinity. Donc nous espérons que Woody pourra le gâter fanatique à Soya. Après ça, des groupes tant que classe, des groupes tant que maestro, un groupe tant que Zafem, Sotfem, parce que Woody Woodboy a gagné un pile travail pour le faire, pour quand même surpasser le groupe Sayo. Même si moi crois que l'idée de compétition est toujours importante, même si nous ne croyons pas que son duel, son bataille véritablement, tout le monde a venu à délivrer la marchandise là, mais tant que nous avons gagné un bel spectacle, tant que nous avons gagné une belle prestation, c'est beaucoup mieux pour la musique haïtienne. Après, vous dites qu'on a gagné Kai qui a gagné live le 18 juillet, m'a déjà annoncé, donc il est important pour rappeler nous, tout autant de date là pas arrivé, parce qu'il faut rappeler nous, prestation ça a gagné pour venir, Kai qui a gagné pour venir, c'est première prestation virtuelle Kai pendant la période ça, nous avons Zinglin tout qui promet fanatique qui ont prestation virtuelle pour le 19 juillet, nous avons dit System Ben, mais ça fait quelques temps là, nous pas tant de dernières informations autour de System Ben, mais ce qu'on pas gagné des confirmations qui a venu, sous qualité show que Gracia avec l'équipe qui a préparé pour offrir fanatique yo gagne classe qui prévoit organiser le 16 août nous ta cap di troisième prestation virtuelle li nan période que
nous retrouvons là, donc période côté le monde a fait face à coronavirus là, et puis il y a un disciple le 22 août qui prévoit organiser prestation virtuelle li, la bande à Gazman Pierre, Gazman Couleur, avec maestro Ralph Medelas bon côté pour regarder comment il est capable de satisfaire le public là, qui quand même espérait un disciple qui a délivré marchandises là après disciple fin perdu. En pile musicien et Mackenson Makiki qui était même annoncé qui pral tourner dans formation musicale disciple et seulement 2 à 3 jours après information qui sorti t'a fait quoi que Mackenson Saint-Fleur Makiki pas arrivé entendre ni avec Ralph Menelas et Mackenson Makiki qui pas fait partie de projet disciple là avec Ralph Menelas comme maestro selon dernière information. N'a pas rappelé que toujours beaucoup de date pour Battle of the Haitian Producers entre Arlie La Rivière avec Richie. Un duel musical qui a été fait dans l'occasion 350 l'année Ville au Cap-Haïtien. Toujours beaucoup de date pour le spectacle ça, mais en plus, on a attendu un spectacle côté Richie avec Arlie pour aller en face. Côté où il jouer des hits que yo soit composé, soit produit comme maestro, comme arrangeur, comme compositeur. Puisque c'est tout code ça qui gagne un arc de gros tonton pour tous les garçons ça yo, deux piliers dans la musique haïtienne, deux piliers pour cette génération du compas. Donc nous croyons que Arlie et Richie gagne un pile attente pour Badol ça dans mi-temps, deux gros pour tous les garçons ça yo, deux gros musiciens ça. On a fini avec review que nous avons annoncé sous prestation Zafem. Zafem qui m'envie dit surprendre un pile monde. Même si il y a des gens qui pas surpris du tout par ça ça fait me faire et puisque il y a des gens qui étaient déjà quoi que depuis dernière série depuis original quand j'ai en côté nous déjà connaît il y a des bails qui a venu qui a bon pour oreille même si on était espéré beaucoup mieux pour j'ai tout puisque il faut le dire en termes de spectacle nous pas quoi que attend ton série de monde comblé par rapport à ça ça fait m'offrir et qualité éclairage qualité ta cap dit qualité réalisation tout pour concert là nous gain des plans que nous pensons qui ta cap pi bon gain de focus sur des musiciens lorsque a fait solo que nous pensons nous ta joindre et moi pense nous ta joindre mieux en termes de spectacle de la part de Zafem mais en termes de prestation musicale en termes de qualité prestation monsieur Damio Fri m'pa quoi gon moun ka reprocher original quand j'ai Dernier Seyid ak tout reste équipe là en rien et dans reste équipe m'a parlé a m'a parlé d'un nèg tant que Macario Césaire que en pile monde te rendu compte mariage guitare entre Dernier Seyid et Macario Césaire là il promet en pile bail pour la musique haïtienne et me dit la musique haïtienne parce que c'est deux nèg qui ont un niveau éclectisme là caillou qui dépasse entendement c'est deux nèg univers musical yo riche li vaste. Nous regardons les combats que nous avons menés hier dans la guitare à eux deux. Appel que Makarios a fait, Dener a répondu, Dener a fait appel, Makarios a répondu. Mélange rock, mélange blues entre Makarios et Dener Seyid, mélange compas, mélange cadence rampas dans la prestation Zafem. Non, mais une prestation de haute volée réalisée par Zafem. On peut dire définitivement que la montagne n'a pas accouché d'une souris. Zafem qui kembe niveau, Zafem qui comblé attente fanatique yo dans ça qui gagne pour la prestation musicale. Chapeau à toute l'équipe de Dener Seyid, à l'équipe de Reginald Kangé, à l'équipe de Macario Césaire, à l'équipe de Mozart qui c'est qui bon disque qui jouait pour formation musicale ça, Jonas qui c'est batteur formation musicale ça, on y va enragé dans Zafem, mais vraiment chapeau à toute l'équipe de Zafem. Zafem qui commence ce spectacle là avec un rituel soufflé et en pile racine, en pile tambour. D'ailleurs, un groupe même qui était invité pour venir offrir un aspect ou bien offrir une approche traditionnelle dans le spectacle là, en pile tambour. Il y en va l'eau danser pendant tout le spectacle là. Gagné plusieurs poètes qui défilaient sous scène et Zafem, non, parmi eux André Fouad, qui était venu et qui était un hommage bien mérité à Georges Castra qui quittait nous récemment là. Mais vraiment, en prestation côté la culture haïtienne était aux avant-plans. Côté la culture haïtienne était à son paroxysme. La poésie, la musique, dans toute son expression, l'aime dit la musique dans toute son expression, m'a dit c'est pas seulement compact à jouer. À un certain moment, nèg joue salsa, nèg joue merengue, nèg joue cadence rampa, nèg font un petit tour dans des balades, nèg bon petit boléro, mais vraiment une prestation de haute volée
réalisé par le groupe Zafem avec un original on fire à bouger sous scène, à chanter, à faire variation en voile sans jamais détonner. Mais vraiment chapeau à toute l'équipe de Zafem qui a réalisé une prestation hors pair pour sa première sortie. Et nous avons l'impression que Zafem a pas de bagaille dans le milieu business musique là. Zafem a pas de bagaille qui est nouveau. En plus, le monde déjà dans Zafem, on petit magnum ben, on petit tabou combo par le simple fait que formation musicale ça a décidé de dépasser ça que généralement on a fait ici dans compas, n'a décidé d'ouvrir cadre là, n'a décidé de faire montre dont certains éclectismes, dont certaines universalités dans ça a proposé comme musique. Chapeau encore une fois à l'équipe de Zafem et nous souhaiter succès à Denner Seyd, à Macarius Césaire, à Jonas, à Moza, à Reginald Kangé, mais vraiment à toute l'équipe de Zafem qui pral poté un souffle nouveau pour la musique haïtienne. Nous n'avons pas fini sans ne pas rappeler que Zafem revisité un paquet classique dans l'histoire musique haïtienne. Nous revisité un gros tonton son hein, du grand Ibo Combo. Hein, et que nous revisité. Macarius font mal dans l'interprétation. Hein, c'était une œuvre de génie. Hein, œuvre de génie. Nous prend sentiment de Skacha Number One, Kubano, supposé Kubano a souri. Georges Loubert Chancy, l'elga des précisions qui viennent dans le livre Zafem dans l'interprétation sentiment. Monsieur sourit hein, par rapport à la qualité de prestation que Nego offre. Jean Nego fait honneur et fait bonheur et rend hommage à des gros tonton groupe qui passent dans l'histoire musique haïtienne. Nan. Et Reginald avec Denner qui interprétait Résultat que nous connaissons qui sont œuvres que Denner participait grandement dans la réalisation. Et c'est voix Reginald qui souligne, Nego reprend Tipouchon. Nous songeons ça, Reginald fait musique ça déjà, en tant que le tenant facile, formation musicale pâle. Donc Nego reprend, Nego finit le spectacle avec Savalou en live, avec des ajouts qui fait dans la musique là, côté Denner, passer devant, venir chanter. Et rappeler Mounio et on série de messages que ça va louer la donne ajout que vous faites par rapport à message ça yo. Donc mais vraiment une superbe performance de Zafem. Je pensais que dans petit temps que n'a regardé live qu'a fait yo là Zafem sur le plan musical pour moi même c'est meilleure prestation que me garder dans groupe qu'a performé là yo et même j'aime te dit déjà pour Maestro. Je crois que en termes de spectacle Maestro c'est groupe qui offre mieux. Ça veut dire sous ta un mélange entre Zafem pour qualité performance musicale et Maestro pour qualité spectacle, nous avons dit que nous avons réglé le bar international seulement, dans le milieu. Mais c'est quand même Zafem qui bat les prestations musicales, comme je pensais, qui remportait Palme. Et Maestro pour qualité spectacle, même si nous avons un groupe tant que classe, tant que New Look, c'est des groupes qui kembent niveau équipe, tout, et kembent niveau en termes de qualité performance que vous avez offert en termes de spectacle. Tout. C'est des gens qui, pour moi-même, mettent bar là, plus haut que 5 sur 10. Donc, encore une fois, mes chapeaux à tout musicien, à tout artiste, à toute formation musicale qui, quand même, a bataillé dans un moment difficile. Ça, pour kembent public là en haleine, mais kembent musique haïtienne en vie. Et aussi longtemps que vous capable. Voilà, c'est sous notre ça, on a mis ton bout dans la 5e édition magazine No Chaka Kiltirel. Merci à vous-même qui t'avez suivi. Merci à vous-même qui a commenté, remé et puis partagé vidéo. Merci à vous-même qui a quitté petit message pour sortir et qui a amélioré puisque nous avons traversé un moment un peu difficile. Hein, et dans le pays, globalement, et qui n'a pas quitté TAC 509 indifférent. Mais nous te faisons une promesse pour nous accompagner au jour le jour, proposer des contenus qui sont capables même de réfléchir, qui sont informés ou qui sont distraits ou tout, j'en nous fait au niveau de TAC 509. Donc nous croyons que nous, malgré les moments difficiles, continuer à accompagner. Merci encore une fois à tout le monde qui a toujours témoigné l'amour pour TAC 509, l'amour pour tout le monde qui a toujours un visage qui apparaît sur TAC 509. Restez branchés nous, l'autre contenu qui est plus intéressant à venir. Non pas M. Ken Livilsen, bye bye tout le monde.